Autre sujet d'actualité, le président chinois se rendra officiellement au Vietnam jeudi et vendredi. Cette visite d'État a pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les liens bilatéraux. L'ambassadeur de Chine au Vietnam s'est entretenu avec CCTV sur les détails et la signification de cette visite. Monsieur Hong déclare que Xi Jinping s'entretiendra séparément avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le président du Vietnam, Truong Tan Sinh. Il participera à un banquet d'accueil organisé par les deux dirigeants. Le président chinois rencontrera la jeunesse vietnamienne et prononcera un discours. L'ambassadeur de Chine déclare qu'il y a eu de fréquentes visites et d'échanges entre les dirigeants des partis et d'États des deux pays cette année. Il ajoute qu'il existe un très grand potentiel en matière de développement de coopération économique. Nous renforcerons la confiance politique mutuelle, stimulerons la coopération pragmatique et développerons les relations d'amitié entre les peuples des deux pays. Il est également très important de bien gérer les différences existantes pour que nous puissions assurer le développement sain et sans souci d'un partenariat stratégique complet de coopération entre la Chine et le Vietnam. Nous connecterons stratégiquement l'initiative chinoise d'une ceinture, une route au plan vietnamien de deux couloirs et un cercle. Nous encouragerons conjointement la coopération dans la capacité de production. Cela améliorera la structure de la coopération économique bilatérale et nous le développerons d'une façon équilibrée.